Ah, ok, je fais ça. C'est bon, mais faut que tu aies l'air sérieux. Genre. Comme ça, non? Non, t'as un petit sourire en face. Ouais, mais drette ça, mais pas de smile. Pas de smile. Ouais, en tout cas, pas de smile. Ouais, pas de smile. Oli. No smile. Thanks, dude. Comment? Donc, salut tout le monde. Ce soir, Deux Rascals en Cavale, on est à Richemont, au centre du Québec. C'est notre première sortie. Deux Rascals en Cavale, c'est quoi? C'est moi et Vince Desilets, qui n'est pas là ce soir. Ce soir, on a un rascal remplaçant, par contre. Oli Boutin-Vachon. Breakdancer dans l'âme. Le breakdance, c'est également un sport alternatif, by the way. Donc, on vient de plugger quand même un premier sport. Woup, woup! Donc, Deux Rascals en Cavale, comme je disais, c'est quoi? Le concept étant qu'on se promène partout au Québec, toutes les petites places reculées d'ici à la Gaspésie. Ici, c'est Richemont, centre du Québec. Pour commencer la chose, on a choisi un symbole de puissance, le lion d'or et le 2 litres de crush aux fraises, qui est juste là. Je pense que ça va nous porter chance puis nous suivre tout au long de l'émission. Alors, c'est ça, on va essayer de jauger un petit peu c'est quoi l'opinion des gens par rapport au sport alternatif du Québec. On va essayer d'aller un petit peu questionner tous les groupes sociaux, tous les différents degrés de groupes sociaux, les âges, etc. Donc, ce soir, comme j'ai mentionné, on est à Richemont. On commence en grand, longboard sur la main, tournée de un ou deux petits bars de la place pour faire connaître la région puis les locaux qui y habitent. Alors, suivez-moi. Là, maintenant,